à ce Janvlog numéro 16. Alors là, il est actuellement 20h14. Et vous savez ce qu'on va faire? Une galette des rois. Est-ce que c'est l'heure de faire une galette des rois? Pas du tout. Mais est-ce qu'on va le faire quand même? Bien sûr que oui. Et je m'étais dit que ce week-end, j'allais faire une galette des rois. Sauf que le problème, enfin une galette des rois maison. Bah oui, puisque si c'est moi qui l'a fait, forcément c'est maison. Le problème, c'est que j'ai été overbooked tout le week-end. Alors là, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis éclatée au sol. Je suis crevée, donc c'est-à-dire que je vais commencer ma semaine déjà fatiguée. Sachant que le vlog d'hier est sorti en retard, le vlog d'aujourd'hui sort en retard. Enfin, les vlogs, bon, vous les avez déjà vus, mais ils sont pas du tout sortis à l'heure. Mais c'est pas grave, ils sont quand même sortis, donc c'est l'essentiel. Puis voilà, je vais pas vous cacher que je suis très fatiguée aujourd'hui. Mais tout va bien parce que on va manger une galette des rois. Wouhou! Et pendant que moi je vais faire ça, Trompi est en train de faire des pâtes au roquefort. C'est son petit truc à lui ça. Du coup voilà, on va se régaler. En fait j'avais vu ça sur, dans une vidéo de Pidi, elle avait fait une galette des rois. Elle avait l'air ultra bonne. Mais du coup ça m'a donné envie, je m'étais dit que j'allais faire ça ce week-end. Oh ça capte ta tête. Ah ouais? Ouais. Je suis plus intéressant que toi. Non mais t'es flou mais t'as un petit carré quoi. En plus j'ai 2% de batterie, enfin 2%, pas du tout. 2 barres de batterie donc... J'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Là, je suis un peu à Y, hein, on va pas se le cacher. Je suis fatiguée, là, j'ai juste envie de me poser, manger et aller me coucher. Mais pas du tout, mais que nenni. Je viens à peine de finir le montage de la vidéo que vous avez déjà vue hier, du coup. Là, je dois faire ma fucking galette des rois. Mais quelle idée de faire ça, franchement. C'est 20h15, je commence ma vidéo à 20h15. Là, je bats tous les scores. Hein. Voilà, des daily vlogs, 20h15, c'est l'heure d'aller se coucher. C'est normalement, le vlog est déjà sorti, je commence la vidéo. Enfin, bref. Ouais, je monte deux vidéos le même. Enfin, franchement, ce week-end c'est un peu craquage quoi. Premier craquage en 15 jours. Ça fait le quota de 2 par mois quoi. À peu près. Mine de rien, je suis quand même très contente de faire ma galette des rois. Ça se voit pas, je sais. Mais je suis très contente. Je suis désolée, hein. Dans tous les vlogs, je suis pas maquillée. Je suis pas coiffée. Je suis en jogging et en sweat. Si vous pensez que je vais aller me maquiller, me pimper et m'habiller pour vous. Je le fais même pas pour moi. Niveau ingrédients, revenons à nos moutons. À nos galettes, lol. J'ai regardé la vidéo donc de Pidi, sauf que mademoiselle Pid ne met pas du tout les quantités. Donc c'est pas grave, j'ai cherché sur internet. Il vous faut du sucre, de la poudre d'amande, des pâtes feuilletées, donc ça pareil, je voulais faire maison, mais à ce qui paraît, c'est un scalver. Tous ceux à qui j'ai dit que je voulais faire une galette des rois maison avec pâtes feuilletées maison, ils m'ont dit ah, ça va pas la tête. De toute façon, j'aurais pas eu le temps clairement, donc pour cette fois-ci, ça sera pâte feuilletée, toute préparée, et la prochaine fois, quand j'irai chez mes parents, j'essaierai de faire vraiment tout maison de A à Z. Il vous faut des œufs, du beurre, et puis voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai tellement pas de vie que ça fait 15 jours que je dois me faire les ongles quand même. Mais ça fait vraiment 15 jours que je dois me faire les ongles. Mais c'est un scandale. Et en plus, vous voyez même... Ah, ça me fout des angoisses, je suis désolée, hein. J'ai pas eu le temps, franchement, j'ai pas eu le temps, Alors là, je joue encore avec le feu parce que devinez où vous êtes posé. Je me bois sa chaussure. Qui c'est que ça étonne maintenant? Personne, non? Alors, dans un saladier, mélangez le beurre mou. Le beurre est dur déjà, donc ça commence très mal. Avec le sucre en poudre et la poudre d'amande, ajoutez les deux œufs l'un après l'autre après les avoir bien incorporés à chaque fois. Aujourd'hui, je suis pas d'humeur à papoter, voilà. Je vous aime bien, hein. 224. Et je suis passée à 224 abonnés d'ailleurs, j'ai vu. Il y en a la vue parce que moi je regarde pas trop. C'est pas que je m'en fous, hein, mais c'est que j'essaie de pas être, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'essaie de pas être matrixée du cerveau. Ah, Florian qui est en train de me regarder. Le pro de la pâtisserie là, il doit être en sueur. Attention! Il faut mettre 100 g de sucre. Ensuite, 125 g de poudre d'amande. Oh ça me saoule. Tu peux m'aider, j'arrive pas. Le beurre mou. Donc si possible vous laissez juste ramollir normalement, mais vu que j'ai pas lu la recette avant d'allumer la caméra, ben je savais pas. Il y en a déjà partout. Oh, ça partout. Sur Angus? Non mais sur le côté là. Les 125 g de poudre d'amande. Donc je touille et j'incorpore les œufs. Attends. Je crois que vous voyez rien ce que je suis en train de faire, c'est pas grave. Est-ce qu'un jour j'aurai un vrai setup? Genre pas avec le bordel sur mon canapé, tout ça quoi. Pardon. Je suis un peu Y aujourd'hui. Hein. Non mais t'es un peu liste total. Je suis en roue libre quoi, comme on dit. Non franchement je suis très fatiguée, je vais pas au mytho. L'école j'ai pas mal de taf. Après je me plains pas parce que personnellement personne m'oblige à faire des vidéos YouTube, hein, on va pas se mytho. Enfin normalement c'est pas censé être une obligation tout court, hein, même quand t'as des millions d'abonnés. Mais juste moi ça me fait plaisir de faire des vidéos tous les jours, tu vois. Tu vois? Oui je les tutoie, je vous tutoie, j'ai le droit.
Oui, donc qu'est-ce que je disais? Oui, je prends pas ça du tout comme... Enfin, je prends ça comme une obligation dans le sens où je me suis engagée à faire une vidéo par mois. J'ai dit la même chose dans la vidéo de là qu'on va dire, du coup. Je dis une vidéo par mois, tous les mois. Ah, mais je suis complètement déglinguée, hein. La polyester, là, c'est plus ce que c'était, hein. Comment ça va ressembler à une page YouTube? Je sais pas. C'est ce que je suis en train de me poser la question. Oh non, mais c'est encore un truc qui va partir en cacahuète, là. Ça tourne vinaigrette, là, déjà. Ça tourne une vinaigrette. Hein? Une vinaigrette. Ça tourne vinaigrette. Tu connais pas l'expression? Oui, ça tourne en vinaigrette. Ça tourne vinaigrette? Oui. Non? Non, c'est ça tourne en vinaigrette. Vinaigrette. Ça tourne vinaigrette. Bah attendez, mais je comprends pas. Parce que là, c'est la garniture. Comment je peux avoir... Désolée, je faisais la miniature. Là, les quantités que j'ai pris sur le net, c'est pour 8 personnes. On est deux, je sais. Mais demain, j'en amènerai à l'école pour les copains, je pense. Si elle est pas dégueulasse, si elle est dégueu, vous n'en aurez pas, je suis désolée. Oui, je disais que... Que moi, quand je m'engage dans quelque chose, pour ma part, ben là, YouTube, c'est quand même à petite échelle. Mais il n'y a pas d'excuse de parce que j'ai que 200 abonnés. Déjà, 200 abonnés, moi, je trouve ça incroyable. C'est pas parce que t'as que 200 abonnés que tu dois négliger ton travail, tu vois. Donc, moi, je vous parle comme si on était 2 millions. Enfin, voilà, moi, après, les réseaux sociaux, c'est toujours un truc qui m'a beaucoup plu. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube. Je suis super à l'affût aussi sur Insta, même si je sais que sur Insta, je suis pas du tout au top niveau et que je sais que je pourrais donner plus, mais franchement je préfère largement, enfin je préfère YouTube parce que c'est beaucoup plus naturel que Instagram. Enfin vous voyez ce que je veux dire, Instagram c'est très superficiel je trouve. Toutes les nanas que je suis, que j'aime beaucoup, font des photos on flic avec des filtres bien maquillés, bien coiffées, etc. Moi vous avez bien vu que dans la vie de tous les jours, que déjà de 1 j'ai la flemme. Après c'est pas pour autant que être super bien habillée, mettre des talons, bien coiffée, etc. Mais pour aller à l'école sincèrement... J'ai d'autres chats à fouetter. À part des fois quand ça me pète, que je me maquille parce que j'ai envie. Et je préfère dormir. D'ailleurs, Miracle Morning, c'est passé à la trappe. Hein. Enfin, c'était vraiment bien parti, sauf que là, le problème, c'est que je me couche à pas d'heure. Et je me lève comme avant pour aller à l'école, tu vois. Et j'ai vraiment du mal à me lever à 5h du mat, là, comme je faisais pendant 15 jours. Je sais que j'ai pas besoin de beaucoup dormir. Enfin, je me couche tard et je me lève tard, du coup. Enfin, à l'école, non. Ouais, c'est vrai de dire ce que je dis. Enfin, le sommeil et moi, on n'est pas copains. En gros, je dors pas beaucoup. Là, avec les jeunes vlogs, encore moins. Plus l'école, encore moins. Mais c'est une vie qui me plaît et qui me convient. Peut-être pas. Bon, du coup, en fait, pas de panique. C'est bien nickel. Enfin, nickel. Compact, mais c'est bien nickel. Parce que j'avais peur de m'être plantée et que ce soit une pâte dans une pâte. Alors, écoutez, j'ai plus de batterie. Donc, si ça coupe, vous aurez pas la fin. Enfin, je vais la mettre en charge le temps qu'elle cuise. Mais là, si ça coupe, bah tant pis pour vous. Voilà ce que je suis en train de faire. J'ai étalé une première pâte feuilletée sur une plaque de cuisson. Je badigeonne tout le tour avec de l'eau et un petit pinceau. Et on va foutre notre frangipane au milieu. Normalement, techniquement, vous devez faire ça, pas comme je suis en train de faire, avec une poche à douille. J'ai pas de poche à douille et j'ai pas de sac congélation. Donc... Ah oui, on n'a pas de fèves non plus. Donc là j'ai mis ma frangipane, je l'ai répartie, je crois qu'on voit rien, c'est pas grave, croyez-moi sur parole. Je l'ai répartie sur ma première pâte feuilletée. Il faut que je superpose la deuxième par-dessus. Du coup là je suis en train de rouler tous les bords, je les ai aplatis avec mon doigt. Et je suis en train de les rouler vers l'intérieur jusqu'à atteindre la frangipane. Bon en fait j'ai tout fait à l'envers, donc regardez pas encore mes dessins. Une fois que vous avez enroulé votre pâte vers l'intérieur, il faut raplatir un petit peu comme ça avec le doigt. Et donner des petits coups de couteau tout le tour, comme ça. Là j'ai fait le truc là avec le couteau, je sais plus comment ça s'appelle, tout autour. J'ai badigeonné avec un jaune d'œuf et un petit pinceau tout le centre de la galette. Et là ce qu'on va faire c'est les dessins. Alors oui j'ai commencé à les faire mais je me suis trompée, fallait pas les faire de suite. Fallait d'abord badigeonner avec l'œuf. Donc je fais les dessins et on se retrouve après. Bon du coup les gars, pour l'instant ça ressemble à ça. Elle est pas trop belle. Ça c'est mon âme d'artiste tu vois. Voilà j'ai pas réfléchi, je suis allée comme ça tout chousse. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre en charge parce que vous allez vous éteindre dans 2 secondes. Les gars, c'est une galette ou un parpaing? Mais elle est énorme, genre, elle est comme ça. Et il reste 16 minutes. Est-ce que c'est normal ou pas? Ou on doit s'inquiéter? C'est mieux pour pas nous répondre. Ouais, de toute façon, vous allez pas me répondre, mais bref, c'est rigolo, je trouve qu'elle soit aussi grosse. Du coup, ça y est, elle est prête. Évidemment, Kendall a coupé les parts avant que je filme. Donc, imaginez-la avec les deux parts qui manquent. Mais elle est pas mal, moi, je trouve, même pour une première. Mmh. Comme en ça, vrai, elle est vraiment pas mal, je trouve. Hein, elle est bien garnie et tout, quoi.
Le temps de cuisson, on a mis 10 minutes à 240 degrés. Et après 20 minutes à 180. Dommage qu'il n'y ait pas de fèves. Elle est bonne. C'est bon, non? Un peu au d'œuf, ça. Ah, j'ai dormi. Peut-être. C'est un peu le goût de jaune d'œuf. Mais non. Ah bon, je sens. Attends, je vais goûter que ça pour voir. T'as un goût de jaune d'œuf? Bah oui. Voir, c'est mon côté où il y a du. Je sens pas. De moi, Covid. Covid. Je sens pas. Si, je sens. Je sens. Mais je veux dire, je sens pas le goût de l'œuf en particulier, quoi. Goûte la pâte, quoi. La frangipane. Juste, goûte juste la frangipane seule pour. Mais quoi? Non, on va voir si c'est. Mais c'est ça de quoi? T'as goût de l'œuf. Ah, goûte la mienne pour. Mais les œufs, j'aime bien exactement pareil que. Oui, je sais. Pareil. Ah ouais? Pourquoi les bonnes bon. Non, le goût d'œuf. Ah, on est d'accord. Alors, le goût d'œuf, alors. Je suis pas fou. Goûte la mienne. Un petit croc. Mais. Oh, le goût d'œuf, la mienne. Tu veux m'empoisonner? Bon, bah, mangeons mon œuf. C'est vrai que ça part. Il y a le goût d'œuf. Je sais pas pourquoi. Sinon, la mienne, par exemple, ma part. Une part normale. Elle est très bonne. Quand elle a pas le goût d'œuf, elle est très bonne. Après, elle est bonne aussi. Mais avec un goût d'œuf, quoi. Je sais pas pourquoi. Ah, peut-être que quand j'ai pris John Duff, j'ai peut-être sans pas trop oublié du blanc en plus. Peut-être ça. Et alors? Ben le blanc, du coup quand t'as mélangé, c'est ça qui fait le goût. Hein? Du blanc. Oui, le blanc. Le truc de l'œuf. Oui, mais je sais. Quand j'ai cuit, c'est jaune et blanc. Et ce qui fait le goût en général, c'est le blanc. N'importe quoi. Ça a pas de goût le blanc. Ça a pas de goût le blanc. Bah vas-y, je te fais cuire un œuf, on va voir si ça a pas de goût le blanc. Oui, ça a pas de goût le blanc. Mais t'es bizarre toi. C'est le jaune, hein. C'est pour ça que. Mais ça a pas de goût, tous les sportifs ils mangent des blancs d'œufs, c'est dégueulasse. Ça a un goût. Non. Cuit, ça a un goût. Non, là tu dis n'importe quoi. Non. Non mais parce que j'arrive. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Je vais arrêter la vidéo, elle est bouchée. Parce que. Écoute-moi. Je t'écoute. Non, je regarde de travers. Là j'ai touillé ce que tu m'as donné. Donc dans tous les cas je l'ai réparti partout. Peu importe s'il y a du blanc. Mais peut-être qu'il y a plus de blanc. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mais les pauses, mais non mais. Monsieur le blanc. Un TikTok qui passe en soi. Ok boomer. Bah je sais pas, mais du coup je mange une galette des œufs. Oh mais merde, t'avais qu'à la faire ta galette hein. Après ton boule. Non mais j'ai rien à foutre, tant pis t'avais caché sur ton bout. La prochaine fois j'essaierai quand même du coup de pas faire avec le jaune d'œuf. Moi je suis vraiment tombé sur un œuf entier. Bon mais c'est bon hein, t'avais qu'à le faire hein. Waouh. Oh mais il m'a gonflé ce mec, sérieux là. Tu me saoules. Premier degré. T'avais qu'à faire, arrête de critiquer ma galette. Arrête de critiquer ma galette, on verra demain si les copains là ils aiment ou pas. Non mais tu veux que rien. J'ai l'impression de manger un œuf. Quoi, c'est pas bon les œufs? J'ai hâte de reprendre le yoga. N'hésitez pas à vous abonner parce que je suis méga drôle et que j'ai une poubelle derrière moi. Je fais une vidéo tous les jours pendant tout le mois de janvier parce que c'est mon mois d'anniversaire. Pour ceux qui ne savent pas. Ok. Et puis comme d'habitude, je vous dis, prenez bien soin de vous. Ne faites pas trop de crises de nerfs comme moi aujourd'hui. Et puis voilà, faites des galettes sans jambes d'œuf. Double ciao. C'est pas fini, hein, mon endroit. Yeah. Non, mais le mec, tu regardes mes vidéos ou. Je vous dis. Je sais même plus ce que je dis, c'est quoi mon intro là. A plus dans le bus, c'est-à-dire à demain, parce que les Jen Vlogs, c'est tous les jours. Ciao. Et à demain.